Bonjour, je m'appelle Amélie Baudet. Je vais vous présenter ma recette. Voici le bol santé du matin. Pour commencer, on va se laver les mains. D'accord. Les mains avec du savon. Après ça, on va s'essuyer. On s'essuie correctement. Bon. Après ça, on va aller vous montrer c'est quoi les ingrédients qu'on va avoir besoin pour la recette. On va avoir besoin de yogourt. Vous pouvez prendre n'importe quel yogourt, vous n'êtes pas obligé de prendre le même. Après ça, on aura besoin des graines de chia. Ceux qui n'en ont pas, vous pouvez remplacer par des céréales. On a des fruits frais, comme moi j'ai des fraises, j'ai une poire et j'ai des bleuets. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez varier les fruits. Et pour la touche finale, on va avoir besoin des amandes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre n'importe quelle graine, ça va faire l'affaire. Fait que premièrement, dans un bol, on va mettre du yogourt. On peut mettre quelques cuillerées de yogourt à l'intérieur du bol. Fait qu'on en met un petit peu. Après ça, on va mettre les graines de chia à l'intérieur du bol. Fait que vous pouvez les mettre des graines de chia ou mettre des céréales. Fait que vous mettez quelques cuillerées de graines ou de céréales. Et après ça, vous mélangez bien comme il faut pour qu'il y en ait partout. Quand c'est fait, faut le mettre de côté. En attendant, parce qu'on va faire quelque chose. Après ça, on va couper les fruits. On va couper les fraises. Premièrement, on va couper la queue de chaque fraise. Comme ça. Après ça, il faut le couper en deux. Les recouper en deux. Quand c'est fait, vous pouvez les mettre dans le bol. Comme ça. Je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Après ça, on va couper une poire. Fait qu'on coupe en deux. On enlève l'étiquette. C'est en un. Après, on coupe l'autre côté. Après ça, vous le couchez, vous le coupez encore en deux. Vous jetez le reste. Après ça, vous coupez en cubes. Fait que vous juste couper en cubes. C'est bien, bien simple. Vous faites des languettes, puis après ça, vous tenez le bord, puis vous les coupez en cubes. Comme vous voyez, je fais des languettes. Après ça, je fais des cubes. Quand c'est fait, on va mettre dans le mélange avec les autres. Mettre tout ça dans le beau petit plat. Faire ça donne ça. Après ça, vous mettez des bleuets.
on va mettre des bleuets à l'intérieur. Ben, vous pouvez mettre un petit peu. Après ça, vous mettez des amandes. Si vous n'avez pas d'amandes, vous pouvez mettre trop de miel. Aussi, il y en a sur la vie que vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ben, tu fais juste en saupoudrer par-dessus. On va en mettre un petit peu. Et voilà, ça donne ce beau dessert ou déjeuner que vous pouvez manger à n'importe quel moment de la journée. Et après, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de manger. Et c'est très bon. Merci beaucoup.